parce que la crise actuelle comporte sa part de défis, mais aussi d'opportunités. Parce que les règles du jeu du commerce extérieur sont appelées à se transformer. Parce que les exportations québécoises représentent près de la moitié de notre PIB. Et parce que les entreprises d'ici doivent faire preuve d'agilité et de résilience pour assurer la relance et repenser l'après. La Fédération des chambres de commerce du Québec et BMO présente la nouvelle série de rencontres virtuelles 360 Corex. Invités réputés, thématiques d'actualité et solutions concrètes pour aborder cette nouvelle réalité. Une réflexion à 360 degrés pour faire le tour de la question. Les rencontres virtuelles 360 Corex, ensemble pour propulser la relance. Me voici. Alors, bonjour tout le monde. Je me présente, Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire, donc dans la série 360 Corex, notre série que j'appelle spéciale pandémie, pour continuer de soutenir nos exportateurs québécois et comprendre et reconnaître les opportunités d'affaires qui existent, parce que nous sommes, vous le savez, foncièrement une nation exportatrice. Alors aussi bien continuer de se renseigner sur la chose, même durant la pandémie. Je salue la présence de mon bon ami Claude Gagnon, donc président BMO Groupe Financier Québec et surtout notre grand partenaire de la série Corex qui est fidèle au poste durant toute l'année 2020 encore une fois. Alors Claude nous fera un petit mot de clôture à la fin, mais je le salue. Donc aujourd'hui, évidemment, on clôt notre programmation 2020, donc une programmation Corex qui aura été franchement très active, pratiquement plus active qu'en temps normal, parce que le virtuel nous permet de rassembler beaucoup de gens d'un peu partout, un peu plus rapidement. Et à titre d'exemple, je me permets de faire notre auto-promo pendant quelques secondes pour vous dire à quel point, la semaine dernière, nous avons eu un webinaire que je qualifie d'exceptionnel avec les présidents, directeurs généraux des trois grandes chambres de commerce, Mexique, Canada, États-Unis. Et de l'aveu de plusieurs, ça ne s'était jamais vu de rassembler tous ces gens importants-là autour d'une même ligne. Alors, ça s'est passé à la Fédération et c'est le genre de travail qu'on veut faire avec Corex. Et donc, on est très, très fiers de notre programmation cette année. Et on la termine de belle façon aujourd'hui avec nos invités. Avant de vous les présenter, vous savez que les événements Corex sont aujourd'hui en collaboration avec notre réseau de chambres de commerce et les organismes régionaux de promotion des exportations, donc les ORPEX. Je me permets de nommer mes collègues de partout au Québec qui ont participé donc à recruter tous les participants ce midi. Alors, l'Alliance des chambres de commerce de Chaudière-Appalaches, qui comprend 16 chambres au total, la Chambre de commerce de Baie-des-Chaleurs, de Gatineau, de Lévis, Vallée-du-Richelieu, Bois-Franc-Érable, Drummond, Rive-Sud dans la région de Montréal, Vaudreuil-Soulanges, Cœur du Québec, Les Moulins dans le coin de Terrebonne, le regroupement des chambres du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Chambre de commerce et d'industrie de Sherbrooke, qui, je vous le rappelle, a été nommée lors de notre dernier gala à la Fédération il y a 3 semaines, la Chambre de commerce de l'année, donc pour 2020. Alors, bonjour à mes amis de Sherbrooke. Je salue aussi la présence de deux personnes importantes aussi dans la diplomatie économique, je dirais. Premièrement, M. Darcy Ferron, qui est représentant en chef pour les régions Europe, Moyen-Orient, Afrique et Amérique latine. Alors, vaste projet pour Exportation et Développement Canada. Et Mme Micheline Dessureau, qui est associée et agent de marque de commerce chez Terrien Couture Jolicoeur, qui par ailleurs est un partenaire Corex. Et Mme Dessureau est aussi vice-consul honoraire du Mexique pour la région de Québec. Alors aujourd'hui, on va parler des opportunités d'affaires en Amérique latine, un continent que ça fait toujours plaisir de visiter, mais aussi d'un point de vue affaires qui a un fort potentiel de développement. Des opportunités qui sont multisectorielles, qui transcendent largement le secteur industriel ou manufacturier, donc des opportunités en santé, dans la construction, dans l'ingénierie, dans l'informatique, dans la culture. Alors, c'est vraiment multisectoriel. Et comment aussi savoir tirer profit des accords internationaux actuels ou peut-être en développement aussi entre le Canada et cette région du monde importante. Pour discuter avec nous aujourd'hui, on a des partenaires de choix, donc à la fois des gens, une personne en fait d'Investissement Québec International, donc de IQ International, et des représentants donc du réseau des représentants du Québec à l'étranger, des gens avec qui nous collaborons fréquemment dans le cadre des programmes Corex. Alors, je vous présente nos trois invités. Premièrement, Mme Marie-Josée Lapointe, qui est directrice marché de l'Amérique latine et des Antilles chez Investissement Québec International.
Madame Lapointe a accepté de remplacer à courte échéance Madame Marie-Ève Jean, qui a eu un imprévu de dernière minute. Alors, je remercie Madame Lapointe de sa présence parmi nous. Madame Stéphanie Allard-Gomez, qui est déléguée générale à la Délégation générale du Québec à Mexico. Fantastique ville que j'ai eu l'occasion de visiter, j'espère que vous aussi. Et la Délégation générale célèbre cette année, et même c'est la fin des clôtures, la clôture en fait des célébrations aujourd'hui même, des 40 ans de la Délégation à Mexico. Alors, depuis 1980 qu'on a une présence québécoise dans la capitale mexicaine. Et finalement, M. Jason Noe, qui est directeur bureau du Québec à Sao Paulo. Alors, l'agenda aujourd'hui est plutôt simple. On aura trois courtes présentations de nos trois invités. Je reviendrai pour animer des échanges avec eux, des questions qu'on a déjà reçues du public par courriel, entre autres. Mais évidemment, vous le savez, je préfère de loin les questions en direct. Alors, n'hésitez pas à lever la main virtuellement, activer vos caméras et poser vos questions donc vous-même ou par écrit dans la section Q&R, comme vous le savez tous très bien, puisque Zoom fait partie un peu trop de notre vie. Alors, je vais laisser la parole à notre première intervenante, donc Mme Marie-Josée Lapointe, et je vous remercie d'être avec nous ce midi. Marie-Josée. Bonjour, bonjour. Un gros, gros merci. Merci infiniment. Effectivement, ma patronne ne pouvait pas être là, alors tout naturel pour moi d'accepter de la remplacer. Merci à la FCCQ pour cette belle invitation et surtout cette belle opportunité de vous parler des marchés d'Amérique latine. J'en profite pour saluer mes collègues Stéphanie et Jason et M. Gagnon de même. Alors, moi, je vais vous servir un petit peu de mise en bouche, je dirais. C'est-à-dire que je vais vous parler de comment on peut aider les entreprises à saisir les opportunités sur les marchés. Et puis, bien entendu, Jason et Stéphanie vont vous parler un petit peu plus en détail des opportunités d'affaires. Alors, évidemment, l'économie mondiale a été fortement touchée par la pandémie. L'Amérique latine ne fait pas exception. Alors, en conséquence, le commerce mondial a été modifié, puis les entreprises doivent se repositionner. Alors, pour ce faire, elles ont besoin d'avoir une bonne lecture des marchés, de leurs enjeux, des opportunités qui vont se profiler à l'horizon. Alors, c'est là qu'avec mes collègues ici présents, on peut aider les entreprises québécoises donc à saisir ces opportunités-là. Vous le savez certainement, une des grandes priorités du gouvernement actuel, c'est l'augmentation des exportations québécoises. C'est dans ce contexte-là qu'Investissement Québec a vu son rôle se bonifier afin d'inclure d'autres, entre autres, l'accompagnement des entreprises exportatrices. Et dans cet objectif-là, a accueilli, donc en juin dernier, le groupe d'experts en exportation qui faisait auparavant partie du ministère de l'Économie, donc Export Québec. Alors, cela dit, voici comment Investissement Québec et ses partenaires, donc, nous pouvons vous soutenir dans le développement des marchés en Amérique latine. Donc, les services d'exportation d'Investissement Québec international, c'est plus d'une centaine d'experts qui sont localisés à Québec et à Montréal et dans les représentations du Québec dans le monde, représentations qui sont au nombre de 33 à l'étranger et 3 dans le reste du Canada. Pour le territoire de l'Amérique latine, ce sont 9 professionnels qui sont basés à Québec, qui travaillent en tandem avec les postes qui sont situés à Mexico, Sao Paulo et La Havane. Et là où le Québec n'a pas de représentation officielle, IQI travaille en partenariat avec soit le gouvernement fédéral et son réseau d'ambassades ou divers partenaires locaux, là, tels des chambres de commerce ou des associations sectorielles. On peut changer de diapo. Le rôle d'Investissement Québec international et ses partenaires, c'est évidemment d'aider les exportateurs à prendre des meilleures décisions stratégiques et à réussir la mise en œuvre de leurs projets sur les marchés Québec. Et vous allez voir un petit peu plus loin de quelle façon est-ce que ça peut se faire. Prochaine.
Vous voyez ici le continuum de services à l'exportation. Donc, à chaque étape du développement d'affaires d'une entreprise, vous pouvez voir le rôle des partenaires. D'abord, le réseau régional d'IQ et le réseau des organismes de promotion des exportations, les ORPEX, qui jouent un rôle important dans l'évaluation et la préparation des entreprises à l'exportation. IQI entre en scène lorsque l'entreprise est davantage à l'étape de raffiner sa stratégie de développement de marché de façon plus précise. Notre rôle est donc davantage d'approfondir avec l'entreprise, réorienter la stratégie en fonction des opportunités ou besoins ou accompagner l'entreprise davantage donc dans ces démarches-là. On travaille aussi en collaboration avec nos collègues du CRIC, entre autres pour les normes et la conformité des produits. Nos anciens collègues du MEI ont également, ministère de l'économie, je m'excuse, un rôle important aussi au niveau de la négociation des accords de commerce, donc qui ont un grand impact sur les marchés pour nos entreprises. Donc, on travaille en étroite collaboration avec eux. Et bien sûr, le réseau économique du Québec à l'étranger et le réseau du gouvernement fédéral qui travaille directement sur le terrain pour identifier les besoins des entreprises étrangères au bénéfice donc des entreprises québécoises. Prochaine. Donc, la clientèle d'Investissement Québec international, les PME et les grandes entreprises manufacturières ou de services de tous les secteurs, sauf du secteur bioalimentaire et des biens culturels qui, eux, relèvent davantage de la responsabilité du MAPAC et du ministère de la Culture. Donc, toute entreprise ayant un projet de développement de marché hors Québec et qui sont prêtes à exporter. Prochaine diapo. Voici maintenant nos services d'accompagnement personnalisés. Donc, on peut conseiller les entreprises sur les occasions d'affaires, sur la culture et la pratique des affaires sur les territoires d'Amérique latine, sur la concurrence, les stratégies d'entrée. On peut également les aiguiller en ce qui concerne le financement de leurs projets, entre autres chez nos collègues d'Investissement Québec, mais côté financement. On peut les aiguiller également pour la conformité des produits à nos collègues du CRIC, comme j'en ai parlé tantôt, et également pour les exigences normatives et la commercialisation internationale. Et on peut donner un appui pour le repérage de clients, de partenaires potentiels. On peut aider à planifier des rencontres d'affaires et aussi soutenir à l'implantation commerciale. Alors, tout cela, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, en étroite collaboration avec nos collègues des bureaux du Québec au Canada et à l'étranger. Donc, ces services-là sont offerts sous forme individualisée à l'entreprise ou bien par le biais d'activités de groupe, que ce soit des séminaires d'information sur les marchés, des accueils d'acheteurs, des missions commerciales. Alors, évidemment, présentement, on parle davantage de missions virtuelles, mais un jour, on pourra recommencer à se développer, à se déplacer sur les marchés. Prochaine diapo. Investissement Québec international compte 4 directions géographiques, dont la direction des marchés Amérique latine que je dirige. Dans ma direction, chacun des conseillers est responsable de couvrir pour l'ensemble de l'Amérique latine un des neuf secteurs stratégiques, que vous voyez à l'écran. Et dans les postes, les attachés commerciaux ont aussi la responsabilité de un ou plusieurs secteurs. Alors, si on prend un exemple concret, par exemple dans le secteur des mines, une compagnie qui exploiterait une mine au Mexique pourrait rechercher plusieurs types de fournisseurs, que ce soit des équipementiers, des produits et services pour, par exemple, pour l'analyse des sols, pourrait rechercher des membranes géotextiles, des véhicules miniers. Donc, avec, par exemple, dans l'exemple donc, que je viens de vous dont je vous parle, avec Mexico. Notre rôle, c'est donc de mettre en contact l'entreprise mexicaine avec les fournisseurs québécois qui peuvent répondre à ses besoins. Prochain.
quelques mots sur notre programme exportation, qui est un programme de subvention qui peut aller jusqu'à 40 % des dépenses admissibles et un maximum de 80 000 $. C'est un programme qui est en voie de révision, mais on désire l'élargir, ce qui est une bonne nouvelle. Donc, les entreprises qui souhaitent de l'information sur leur admissibilité ou déposer une demande doivent passer par leur direction régionale d'investissement Québec, dont il y en a dans toutes les régions du Québec. Le programme peut servir à embaucher un spécialiste en développement de marché, à réaliser des missions hors Québec, obtenir une homologation ou une certification internationale qui va faciliter l'exportation ou implanter un bureau ou une filiale étranger, par exemple. Prochaine. Donc, parlons un peu d'Amérique latine, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, l'Amérique latine, c'est un immense marché qui est cependant sous-exploité par les entreprises québécoises. Pourtant, il possède de nombreux avantages, dont celui de faire partie du même continent. Donc, il y a une grande connectivité au corridor logistique, ce qui en facilite l'accès. Et il a l'avantage aussi d'avoir à son actif plusieurs accords de libre-échange, qui encore là facilite beaucoup le commerce. Les échanges commerciaux avec l'Amérique latine, ça représente environ 15 milliards de dollars. Dont 4 milliards de dollars sont des exportations qui proviennent du Québec vers l'Amérique latine. C'est donc à peine 4 % de nos exportations mondiales. Donc, un grand potentiel inexploité quand même. C'est donc pourquoi j'avoue qu'on est très heureux de pouvoir avoir ce genre de tribune-là pour parler des marchés d'Amérique latine aux entreprises québécoises. Il y a beaucoup d'opportunités, évidemment, sur l'Amérique latine, mais il y a deux pays qui offrent des plus grandes occasions d'affaires pour les entreprises québécoises, et ce sont le Mexique et le Brésil, qui, à eux deux, représentent les deux plus grandes économies d'Amérique latine et 70 % de notre commerce avec cette partie du monde-là. Prochaine. On pense souvent au Mexique pour ses plages, hein, et c'est tout inclus, mais le Mexique, c'est un très grand marché près de nous, accessible, qui offre des grandes opportunités, vous allez le voir tantôt. Il y a aussi des grandes complémentarités entre l'économie du Québec et celle du Mexique dans plusieurs secteurs, dont l'aéronautique, l'automobile, les industries créatives pour le tourisme. Parce qu'un jour, le tourisme va reprendre au Mexique. Donc, il y a aussi des complémentarités au niveau de l'agroalimentaire et du secteur des mines, entre autres. En ce qui concerne le Brésil, ce n'est pas un marché qui est aussi ouvert que le Mexique et les barrières à l'entrée sont importantes, mais il donne quand même accès à un des plus grands marchés de consommation au monde. C'est un pays hyper connecté avec plus de 100 millions d'utilisateurs de téléphones intelligents et un commerce en ligne, entre autres, très développé. Alors, je laisse maintenant la place à mes collègues Stéphanie et Jason qui vont vous présenter de façon plus détaillée les opportunités d'affaires sur leur territoire respectif. Alors, un gros merci. Alors, merci beaucoup, Mme Lapointe. Donc, on va passer à Mme Alain Gomez, en direct de Mexico. Bonjour à tous et à toutes. Muy buenos días a todos y a todas. Je vais démarrer ma vidéo pour commencer. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup Charles et merci beaucoup à la Fédération des chambres de commerce du Québec pour cette opportunité de me joindre à vous aujourd'hui pour échanger sur la reprise en Amérique latine et plus particulièrement au Mexique dans le cadre des rencontres virtuelles 360 Corex. Et je salue également mes collègues Marie-Josée et Jason avec qui je partage cette tribune, mes collègues d'Investissement Québec International et tous les membres et partenaires de la FCCQ qui sont avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici.
Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire, c'est vous illustrer brièvement comment se dessine la reprise dans les deux plus grandes et plus importantes économies d'Amérique latine, comme l'a mentionné Marie-Josée. Et notre principal objectif, c'est de bien outiller les entreprises du Québec pour qu'elles puissent profiter de la relance du commerce international et pour saisir les meilleures occasions d'affaires dans cette région extrêmement dynamique. La diapositive 2, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, quelques mots d'abord sur la vision internationale du Québec. Pour rayonner à l'étranger, le gouvernement du Québec s'est doté d'une vision internationale qui s'appelle « Le Québec fier et en affaires partout ». On ne vous entend plus, Madame Mallard. Il faudrait réactiver votre micro. Voilà. Est-ce que ça fait longtemps que vous ne m'entendez plus? Ça fait 5 secondes. OK. Donc, je poursuis. Donc, je vous parlais de la vision internationale du Québec qui s'intitule « Le Québec fier en affaires et partout dans le monde », qui vise à renforcer l'action économique du Québec sur le plan international et à faire de ses réseaux de puissants leviers économiques et à moderniser son action sur la scène internationale. Et avec cette vision, le ministère des Relations internationales et de la francophonie a entrepris un important virage économique. Coordonnateur de l'action internationale du gouvernement, le ministère agit comme catalyseur pour accélérer le développement de marchés pour les entreprises, les chercheurs, les innovateurs et les créateurs du Québec. En incluant nos 3 représentations en Amérique latine, on dispose au total d'un réseau donc de 33 bureaux qui sont répartis dans 18 pays et donc on est présent et actif partout où nos intérêts l'exigent. La délégation générale du Québec à Mexico, qui célèbre cette année donc son 40e anniversaire, on a été fondée en 1980, est l'une de nos plus importantes représentations dans le monde aujourd'hui. Notre équipe travaille activement à développer nos relations avec le Mexique, qui est un partenaire prioritaire dans tous les domaines, notamment la culture, l'éducation et l'attraction de travailleurs qualifiés pour nos entreprises qui souffrent donc de la pénurie de main-d'œuvre dans certains domaines clés au Québec. La délégation compte aussi sur une équipe de 5 personnes qui est entièrement dédiée à l'accompagnement d'entreprises dans leurs projets d'exportation sur le marché mexicain. La diapositive 3, s'il vous plaît. Merci. Donc, l'entrée en vigueur de l'ALENA il y a un peu plus de 25 ans a été un véritable détonateur pour les échanges commerciaux entre le Québec et le Mexique. Aujourd'hui, le Mexique est un allié de premier plan pour le Québec. Et en 1994 et 2019, nos échanges commerciaux ont été multipliés par 7 avec le Mexique, donc pour totaliser 6,7 milliards de dollars l'année dernière. Et nos exportations, elles, ont été multipliées par 10 sur cette même période-là pour atteindre presque 1,8 milliard de dollars en 2019. Donc aujourd'hui, le Mexique, c'est notre 4e partenaire commercial dans le monde, derrière les États-Unis, la Chine et pratiquement à égalité avec l'Allemagne. Des fois, on est le 3e, des fois, on est le 4e, ça dépend des années, mais on est très, très proche. Et l'année dernière, donc le Québec a échangé plus avec le Mexique qu'avec tous les autres pays d'Amérique latine réunis. L'entrée en vigueur de l'ACEUM, donc ça, c'est l'accord Canada-États-Unis-Mexique, le 1er juillet dernier, est très important parce que ça nous garantit un accès privilégié au marché nord-américain. Et je dis marché nord-américain au pluriel parce que ça inclut évidemment le très important marché mexicain de près de 128 millions de personnes. Et ça, grâce à cet accord-là, ça nous donne cette prévisibilité-là pour une longue période de temps. Donc, c'est très, très, très important pour nos entreprises. Donc, ce partenariat-là avec le Mexique, ça favorise non seulement notre compétitivité sur le marché des États-Unis, mais ça nous offre aussi une plateforme d'exportation qui est exceptionnelle pour nos entreprises québécoises qui souhaitent développer d'autres marchés en Amérique latine ou ailleurs dans le monde. Et sur ce dernier point-là, je pense que c'est important de rappeler, et Marie-Josée y a fait référence un peu plus tôt, c'est que le Mexique est l'un des rares pays au monde, avec le Canada, qui dispose d'un réseau d'accords de libre-échange qui le lie à tous les pays du G7 par le biais du TPTPP et de son entente avec l'Union européenne et bien sûr avec le nouvel ACEUM. On peut donc dire que la consolidation de notre partenariat nord-américain va favoriser le développement de nos relations commerciales avec le Mexique. Et ça va être particulièrement vrai dans le contexte où il y a beaucoup d'entreprises ou de multinationales qui
envisagent de rapatrier en ce moment leur production de l'Asie vers l'Amérique du Nord. Donc, c'est un phénomène, là, en anglais, on appelle ça le reshoring. Là, je pense qu'on parle plus souvent de reshoring que de rapatriement de production, mais c'est ça. Donc, ce reshoring-là, ça va certainement contribuer à une reconfiguration des chaînes de valeur et donc d'approvisionnement continental qui pourrait consolider et renforcer la présence donc d'entreprises du Québec au Mexique. La diapo 4, merci beaucoup. Donc, à plus court terme, par contre, c'est important de souligner que le Mexique est très affecté par la crise de la COVID. Je pense qu'on lit tous et toutes les nouvelles aussi internationales là, sur cette pandémie qui nous touche tous. Et en date donc de cette semaine, le Mexique occupait le 12e rang mondial en termes de cas confirmés. Donc, c'est plus de 1 million de cas ici au Mexique. Et le 4e rang mondial en termes de décès, donc un peu plus de 100 000 en date d'aujourd'hui. Donc, cette crise-là a provoqué un ralentissement assez important de la plupart des secteurs d'activité économique ici. Mais la plupart de ces secteurs-là ont repris, mais il faut juste tenir compte du fait que ce ne sont pas tous les secteurs qui ont repris avec la même rapidité et la même vitalité. Donc, c'est des rythmes très variables. Il y a aussi présentement un resserrement des mesures sanitaires en raison de l'émergence ici aussi, donc d'une deuxième vague qui frappe assez fort. L'impact de cette deuxième vague-là ici n'est pas encore très clair ni mesurable. Diapo 5, s'il vous plaît. Merci. Donc, d'après les prévisions des experts, le PIB du Mexique devrait se contracter d'à peu près 9 % cette année. Et il y aurait un rebond en 2021, donc se situerait autour de 3 et 4 mais le pays devrait mettre au moins 2, probablement 3 ans avant de retrouver son niveau d'activité économique préalable à la crise. Donc, c'est important de noter aussi qu'il y a certains secteurs qui vont être plus durablement affectés, qui vont mettre encore plus longtemps donc à se relever. Là, je pense par exemple secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Là, ça, c'est 9 % du PIB du Mexique, donc c'est stratégique. Et ces secteurs-là devraient connaître une période de dépression assez prolongée. Je vous dirais malgré certains signes de relance là, dans les dernières semaines, mais là, il y a les vacances des fêtes qui arrivent. Donc, on voit un certain rebond à certains endroits, mais ça va être assez difficile pour ce secteur-là pour le moyen terme. C'est la même chose pour le secteur de la fabrication aéronautique, donc l'aérospatiale, qui devrait aussi connaître une période assez difficile. Et c'est un secteur très important ici au Mexique et aussi pour les entreprises québécoises. Donc, une période difficile avec une décroissance estimée entre 25 et 30 % cette année. Donc, c'est assez important. Par contre, donc il y a un côté positif à cette situation-là, c'est qu'il y a d'autres secteurs qui vont offrir un potentiel assez intéressant à plus court terme pour nos entreprises, notamment l'industrie manufacturière qui a déjà retrouvé, je dirais, un niveau d'activité qui est comparable à ce qu'il était avant la pandémie. Même que le secteur automobile a connu un mois de septembre supérieur cette année par rapport au mois de septembre 2019. Il y a le secteur de la santé qui a des défis énormes en raison de la pandémie ici, qui va devoir investir significativement pour pouvoir adapter son mode de prestation des soins à cette nouvelle réalité-là. Le secteur des technologies financières, ce qu'on appelle les fintechs, devrait aussi connaître un essor assez important au Mexique parce que la crise actuelle les oblige toutes les institutions financières à moderniser, à automatiser les processus transactionnels. Je pense que c'est vrai dans plusieurs régions du monde, mais ici, c'est quand même un marché assez important. Ça, c'est un autre secteur sur lequel on doit garder un œil. Même chose pour le secteur manufacturier, de façon plus large, qui va avoir besoin d'introduire de nouvelles technologies pour l'automatisation, la robotisation de plusieurs procédés industriels et évidemment la supervision de la production à distance. Donc, je crois que c'est important aussi de mentionner ici que le nouvel accord de libre-échange, la CEM, va contribuer positivement à la relance en offrant de nouvelles opportunités à nos entreprises. Et il y a un point ici, je pense, qui est assez clair ou assez important, c'est tout le côté des changements dans les règles d'origine du secteur automobile. Okay, ça va certainement favoriser l'intégration de fournisseurs québécois dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines. C'est un secteur dans lequel il faut vraiment porter une attention particulière. Ces nouvelles règles-là pourraient aussi favoriser
des opportunités très intéressantes au niveau des produits d'aluminium en provenance du Québec, un secteur très important pour nous aussi. Donc, il y a des occasions d'affaires à saisir, mais ça ne va pas nécessairement être dans les secteurs traditionnels d'activité ici au Mexique pour les entreprises du Québec. Et ça va être le rôle, en fait, de notre délégation du Québec ici à Mexico et de nos partenaires, évidemment, d'Investissement Québec International, de guider les entreprises du Québec dans cette nouvelle réalité-là. Je vous dirais que dans le contexte actuel, nos équipes respectives font preuve de beaucoup de créativité pour revoir nos façons de travailler, améliorer notre offre de services dans un contexte là, assez spécial pour pouvoir appuyer nos entreprises dans la relance économique ici et ailleurs. Puis évidemment, la délégation du Québec à Mexico et les autres bureaux du Québec à l'étranger travaillent, je vous dirais, vraiment de concert avec nos partenaires et les autres ministères et organismes du gouvernement du Québec, notamment le ministère de l'Économie et de l'Innovation, mais aussi de plus en plus avec Investissement Québec, pour développer des stratégies de relance dont l'objectif est vraiment essentiellement de soutenir la reprise et la croissance des entreprises exportatrices du Québec. Donc, vous pouvez compter sur nos équipes pour vous appuyer dans vos efforts qui visent à tirer profit de la relance qui se profile à l'horizon. Et écoutez, entre-temps, n'hésitez pas à nous suivre par le biais de nos médias sociaux de la délégation. Je me permets une micro-publicité ici. On a beaucoup d'informations disponibles sur, sur le site Internet de la délégation et sur les médias sociaux. Et à ceux et celles que ça intéresse, nous allons clore les célébrations du 40e anniversaire de la délégation ce soir, donc à 19h, heure de Mexico, 20h, heure du Québec, en direct, mais en ligne, évidemment. Donc, les informations sont disponibles sur notre site. Alors, merci beaucoup de votre attention et j'ai bien hâte d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Mme Allard Gomez. Bonne célébration. Je pense que c'est un témoin important de l'importance que le gouvernement du Québec accorde aux relations avec le Mexique. Là, 40 ans ininterrompus comme ça. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent dans le chat et dans la section QR vos numéros de téléphone, vos adresses, comment vous rejoindre. Alors, sachez que disponible à la fin de chacune des présentations et que vous recevrez des présentations avec le courriel de remerciement donc, qui suivra ce webinaire. Alors, vous aurez l'occasion de pouvoir entrer en contact directement avec les différentes équipes. On termine avec M. No, donc, qui nous rejoint, lui, le chanceux de São Paulo au Brésil. Alors, M. No, à vous la parole. Boa tarde. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, ça fonctionne maintenant, je crois. Donc, je vous salue tous, incluant mes chers collègues. Merci à la Fédération pour l'invitation. Donc, je vais vous partager ma super présentation. Donc, on voit bien. Oui. Super. Parfait. Donc, le Brésil, comme on a dit plus tôt, est un partenaire prioritaire pour le Québec en Amérique du Sud, le 9e partenaire commercial du Québec. Cette importance se reflète notamment par l'ouverture en 2008 d'un bureau à São Paulo, dont une grande partie du mandat est économique. Mais l'équipe couvre également les relations politiques, l'immigration, principalement l'attraction des talents, l'innovation, la culture, l'éducation et le tourisme. Nous sommes une petite équipe de 5 personnes pour l'instant. Donc, ces relations s'exercent principalement avec quelques États prioritaires sur le territoire, donc São Paulo, Rio de Janeiro et le Paraná et le gouvernement fédéral du Brésil. Donc, les valeurs démocratiques partagées entre le Québec et le Brésil, notre latinité, notre américanité, nos territoires aux proportions gigantesques offrent des ressources sensiblement similaires et nécessitent souvent des solutions de même portée. Le fait de se sentir aussi distinct de nos voisins, les deux nations ont plusieurs aspects en commun et ça contribue entre autres aux relations d'amitié entre le peuple québécois et le peuple brésilien. On collabore, comme on a dit plus tôt, nous aussi, là, avec le réseau canadien basé sur le territoire,
une très bonne collaboration avec la Chambre de commerce Brésil-Canada, qui est très active d'ailleurs au Québec. Donc, le Brésil est la 9e économie mondiale, la première des pays d'Amérique du Sud et l'un des plus grands marchés de consommation au monde. On le disait plus tôt, hein, ici, c'est 212 millions d'habitants, avec un secteur agricole très productif, une base industrielle large, diversifiée et très sophistiquée et dispose de ressources naturelles très abondantes, y compris l'énergie. Le Québec a également plusieurs secteurs d'activité complémentaires ou connexes au secteur économique québécois. Le Brésil pourrait devenir la 4e économie mondiale d'ici 2050. Le Brésil, vous le savez, là, fait partie du Mercosur qui vise la libre circulation des biens et services entre les pays membres, soit l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay et le Paraguay, ainsi qu'une élimination quasi totale des tarifs douaniers. Les négociations entre le Canada et les pays du Mercosur en vue d'un accord de libre-échange global ont débuté en 2018 et sont toujours en cours. Le Brésil est un pays qui opère comme un continent. Chaque région est très différente, là, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, un peu comme le Canada, là. Donc, c'est des régions très différentes et diversifiées. Le Brésil n'a pas échappé à la pandémie. Pendant la crise, le PIB brésilien a toutefois moins baissé que celui de la plupart des économies de la zone euro et de d'autres pays d'Amérique latine comme la Colombie, le Chili, le Pérou, selon une enquête de Austin Rating. Le PIB du Brésil au troisième trimestre de 2020 était de 474 milliards de dollars canadiens, une augmentation de 7,7% par rapport aux trois mois précédents. À titre de référence, le PIB en 2019 était de 1,85 billion de dollars canadiens. Le Brésil est dans les pays les plus importants en termes de superficie, de population et de PIB, comme l'indique cette diapositive. Il fait partie d'un groupe très restreint là, qui combine ces trois grandes caractéristiques. Les grands enjeux du Brésil à l'heure actuelle, là, pendant la COVID, la pandémie a eu un fort impact économique, effectivement, avec une rétraction prévue de 5 % au lieu de la croissance de 2 % qui était prévue avant la pandémie. Cependant, le gouvernement reste déterminé à ouvrir l'économie, à réduire les formalités administratives et à encourager les privatisations et l'attraction des investissements étrangers. Ces efforts ont déjà produit des retombées positives et souvent accélérées par la pandémie. Par exemple, la réforme des retraites, la réduction des taxes d'importation, le cadre de concession des services aéroportuaires, pour ne nommer que ceux-là. Il y a eu plusieurs réformes au niveau légal et réglementaire au Brésil. Par exemple, le nouveau cadre légal dans le domaine de la gestion des eaux, qui a été approuvé en juillet 2020 et qui favorise la participation des entreprises privées dans le secteur, ce qui ouvre les opportunités additionnelles aux entreprises québécoises qui offrent des technologies et des solutions pour la gestion des eaux municipales, mais aussi industrielles. Le gouvernement du Brésil planifie recevoir entre 124 milliards à 174 milliards de dollars canadiens en investissement potentiel privé d'ici 2033. On a aussi vu un changement dans les entreprises dans les dernières années qui se sont mises à investir beaucoup dans les outils et la prévention pour mettre en place des processus éthiques et développer un environnement corporatif responsable en réponse au scandale très connu du lavage à taux. Les relations commerciales Québec-Brésil, comme mentionné plus tôt, le Brésil est le 9e partenaire commercial du Québec, le premier en Amérique du Sud. Malgré un impact important de la COVID-19 sur le territoire, le commerce entre le Québec et le Brésil connaît une croissance en 2020. Les exportations en 2019 ont été au total de 461 millions canadiens. Vous pouvez le voir, là, en 2020, on est déjà à 413 millions après les trois premiers trimestres, après les 9 premiers mois de l'année, c'est-à-dire. Il est important de mentionner aussi le vol direct São Paulo, le vol direct Montréal-São Paulo d'Air Canada reprend demain, le 11 décembre. Deux vols aller-retour
directs par semaine pour l'instant. Donc, très intéressant pour les gens qui pourront éventuellement là, se déplacer entre le Canada et le Brésil. Il y a plusieurs occasions d'affaires à explorer pour les entreprises du Québec, et ce, malgré la pandémie, les principaux secteurs sur lesquels on travaille ici, les applications liées à l'intelligence artificielle, le transport, mobilité, infrastructure, énergie, environnement, aérospatiale, défense, agroalimentaire, industrie créative. Le Brésil ne fait pas exception à ce qui s'est passé dans plusieurs pays où la crise de la COVID a créé des nouveaux besoins en santé, en technologie pour favoriser la distanciation physique. Par exemple, là, des drones, mais aussi les médias numériques, l'Internet des objets, et aussi la meilleure prise de décision face à des incertitudes croissantes. On pense souvent à l'intelligence artificielle. Donc, aussi, je voulais mentionner qu'il y a plusieurs projets en PPP ouverts aux entreprises étrangères. Par exemple, au niveau fédéral brésilien, la majorité des projets compris dans les secteurs là, de l'infrastructure logistique, aéroports, les chemins de fer, les autoroutes et l'énergie, et en énergie aussi, génération, transmission, distribution d'énergie. Le gouvernement du Brésil pourrait recevoir jusqu'à 14 milliards de dollars US en investissement privé d'ici 2022, en plus des 78 milliards reçus en 2018-2019. Et au niveau de l'État de São Paulo, le gouvernement a annoncé un nouveau plan de relance économique tout récemment pour l'exercice biennal 2021-2022 qui prévoit 6 milliards de dollars US en investissement d'ici 2022 grâce à 19 projets de concession des services et de partenariats publics-privés dans les domaines du transport, de la mobilité, les lignes de métro, les trains urbains, les autoroutes et l'environnement, particulièrement dans le traitement des eaux. Donc, je vais rapidement. L'innovation, c'est important. Il existe au Brésil une structure importante de recherche et développement dans tous les secteurs. C'est une structure qui a accès à des politiques, pour des incitatifs fiscaux, des institutions de recherche, de référence, des universités d'excellence, un bassin de diplômés et de chercheurs très qualifiés, des investissements privés et publics, ainsi que des infrastructures de recherche de fine pointe. Stéphanie en a parlé rapidement aussi pour le Mexique. Le Brésil est une solution à la pénurie de main-d'œuvre que vivent plusieurs entreprises au Québec, que ce soit dans les secteurs des technologies, de la santé, des industries créatives et dans le domaine manufacturier. Le contexte sociopolitique actuel favorise beaucoup l'immigration des Brésiliens qui sont très convoités par les entreprises européennes, particulièrement l'Allemagne, des États-Unis, mais aussi du reste du Canada. Ce sont des professionnels avec une grande capacité d'adaptation qui ont une facilité étonnante pour l'apprentissage du français. D'ailleurs, le bureau compte maintenant une ressource à temps plein en charge de l'attraction des talents pour les entreprises et deux nouvelles ressources devraient se joindre à l'équipe au printemps prochain. Donc, c'est pas rien. Le Brésil exige un engagement réel, de la patience, une vision à long terme afin que les résultats soient à la mesure des attentes créées par la perspective de cet énorme marché émergent. Il faut donc continuer à s'engager pleinement dans la promotion commerciale malgré les aléas qui ont touché la performance économique brésilienne au cours des dernières années. Donc, la présence du bureau depuis plus de 10 ans est un acquis. Il demeure un outil pour vous, un outil stratégique au service des entreprises qui souhaitent développer le territoire. On travaille en coopération avec IQI. Le soutien est crucial pour le succès des clients québécois ici. Le bureau a des connaissances pointues et un accompagnement personnalisé qui sont nécessaires et appréciés par la majorité des entreprises, principalement les PME, intéressées à pénétrer le marché brésilien, qui demeure, on le sait, là, très complexe et bureaucratique. Donc, rapidement, certaines activités qui s'en viennent à São Paulo Tech Week. La semaine prochaine, il est toujours temps de vous inscrire. 3 activités, l'éthique en intelligence artificielle, les solutions en mobilité urbaine et l'attraction des travailleurs qualifiés. Et dans les prochaines semaines, prochains mois, une mission virtuelle en construction, une mission en cosmétique et d'autres activités virtuelles là, qui s'en viennent. Donc, on vous invite
à suivre nos pages des médias sociaux à nous aussi et à communiquer avec nos collègues chez EQI et ici à Sao Paulo pour avoir plus de détails. Donc, muito obrigado. Merci beaucoup. Excellent. Merci. Merci beaucoup, M. No. Merci à vous trois. Ça a été vraiment des présentations fort, fort intéressantes. Puis, c'est fou de voir comment les opportunités d'affaires m'apparaissent, en tout cas sous-utilisées. Alors, d'où l'importance de faire des événements comme aujourd'hui pour remettre ça sur le dessus de la pile, peut-être des projets pour plusieurs PME d'aller à la rencontre des marchés latino-américains. On a eu plusieurs questions, comme je vous disais, par écrit. Donc, n'hésitez pas à lever la main. Il nous reste une vingtaine de minutes pour une période d'échange avec nos trois invités. Je commencerai peut-être par une première question qui témoigne un peu de ce qu'on voit dans le chat et dans la section questions-réponses. Les gens veulent avoir les numéros de téléphone, savoir comment vous contacter. Alors, ma question peut-être pour Mme Lapointe, c'est par où on commence vraiment typiquement quand on est une PME ou une entreprise et qu'on souhaite percer le marché américain, donc latino-américain. On participe au webinaire, mais vraiment, ça serait quoi la meilleure porte d'entrée pour lancer cette idée-là? Bien, la porte d'entrée, ça serait vraiment chez Investissement Québec International. Alors, nous, on travaille avec l'entreprise, justement, là, à raffiner les besoins et préciser donc les besoins, que ce soit quel genre d'informations ils ont besoin, raffiner un petit peu leur stratégie. Puis quand on sait un petit peu plus précisément ce qui est nécessaire, bien là, on fait appel à nos collègues, donc attachés commerciaux en poste, donc avec dans l'équipe de Jason et Stéphanie. On travaille, on est vraiment un tandem. On travaille avec eux là, au profit des entreprises. Donc, il s'agit tout simplement, vous savez, mes coordonnées sont à la fin de ma présentation. Les gens peuvent m'interpeller directement et puis je vais les référer aux spécialistes de leur secteur dans mon équipe. Puis comme ça, ils vont pouvoir évaluer ça avec les entreprises qui vont les contacter. Très bien. Vous êtes en accord avec ça, Jason et Stéphanie? Absolument. Je n'aurais pas pu le dire mieux. Excellent. Excellent. Parfait. J'ajouterais peut-être à ce que Marie-Josée a dit. Que le travail qui est fait en amont avec EQI est fort important pour préparer aussi l'entreprise. Voilà. Donc, il y a une préparation à faire qui est à ne pas sous-estimer. Mais puis là, ce n'est pas parce que c'est le Mexique ou le Brésil, là, ça s'applique sur plein de marchés à travers le monde, mais le travail qui est fait à EQI est colossal afin de préparer les entreprises. Ça permet peut-être une mise à niveau entre les attentes et les exigences, justement, là, pour que ce partenariat-là fonctionne. Je vais céder la parole à M. Pedro Villagran. Donc, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Vous semblez avoir disparu de mon... Attendez-moi un petit peu. Je vais vous recéder la parole. Je n'abandonne pas. Voilà. Vous allez pouvoir activer votre caméra. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Bonjour Charles, buenos días. Bonjour. Une petite question. Pour le marché brésilien, nous, on est une entreprise, Blue Kangoo, on est une entreprise spécialisée dans le numérique. Donc, on a une plateforme digitale pour numériser les processus d'affaires, donc très, 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 très présent dans le milieu de la santé, de l'agro et les mines. Lorsqu'on parle de digital, on parle de connexion Internet. Donc, je m'adresse à vous au niveau du Brésil. Bien que notre plateforme fonctionne aussi en offline, mais ça prend à un moment donné de l'Internet. Pour le marché brésilien et pour le marché mexicain, est-ce que c'est un enjeu? Est-ce que c'est une priorité? Puis après ça, on pourra parler comment je peux communiquer avec vous. Alors, qui veut... Moi, je vous demanderais, Pedro, est-ce que vous pouvez préciser votre question? Qu'est-ce qui est un enjeu? La connectivité Internet? Oui, le réseau, est-ce que c'est... Est-ce que ça fonctionne? Oui, est-ce que c'est un enjeu au niveau de... accessible, au niveau de la vitesse, au niveau... Juste brièvement sur le... Parce que vous avez mentionné le Brésil en premier, mais enfin, pour le Mexique... On peut commencer avec le Mexique. Oui, mais pour le Mexique, ça varie. Hein? Ça varie en fonction d'un certain nombre de facteurs.
Et je vous dirais que ça va de très, 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 très bien à très abordable aussi à des services qui sont peut-être moins en ligne avec ce à quoi les gens, surtout les entreprises, seraient habitués, disons, au Québec. Donc, je vous dirais qu'éventuellement, oui, il pourrait y avoir des choses intéressantes à développer de ce côté-là, mais ça prendrait un petit peu plus de détails sur les utilisateurs finaux et évidemment les aspects concurrentiels de votre produit par rapport à et vos services par rapport à vos concurrences. Mm-hmm. Oui, absolument. C'est pour ça que je serais ravi de discuter avec vous prochainement. Avec plaisir. D'accord. Je peux peut-être compléter, effectivement, je vais être intéressé à avoir plus d'informations là, sur votre produit. Même chose ici, le service Internet, ça varie beaucoup. Évidemment, le territoire est immense, là, donc ça varie d'un endroit à l'autre. Par contre, dans tout l'effort qu'on a vu, qui a été accéléré par la pandémie du gouvernement d'alléger la bureaucratie, là, qui est très, très importante ici, c'est un des éléments, puis on l'a vu au niveau de toutes les papiers d'importation, puis tout ça, où la digitalisation a pris de plus en plus de place. Donc, on voit que ça commence à s'étendre. Donc, il y a une volonté sérieuse du gouvernement là, d'utiliser notamment là, cet outil-là pour alléger la bureaucratie pour les échanges commerciaux. D'accord. Donc, je communiquerai également avec vous, M. Lowe, lorsque j'aurai les coordonnées. Et pour vous, Mme Lapointe, je vous ai déjà envoyé un courriel, donc on est déjà en action de ce côté-là. Vous avez fait les choses dans le bon ordre. Excellent. Puis, comme je disais tantôt, nous, tout dépendant, quel est votre secteur d'activité principal, là, est-ce que c'est, entre autres, vous m'avez parlé de santé, agroalimentaire. Bon, si par exemple, votre secteur principal, c'est la santé, bien, ça va être la personne dans mon équipe là, qui s'occupe de la santé qui pourra commencer à débroussailler tout ça avec vous sans problème. Alors, je vais répondre à votre courriel. Super, merci beaucoup. Merci Pedro, très apprécié. Merci Charles. On va passer à la prochaine intervention, Paloma Pereira. Que vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour, allez-y. J'ai encore 5 minutes avant d'entrer au boulot. En fait, allez-y. Je suis basée au Québec. Je voulais comprendre un petit peu plus c'est quelle la responsabilité en fait, de Montréal International et Québec International dans cette stratégie. Je pensais qu'avant Investissement Québec, en fait, on passait par Montréal International, Québec International. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour la présentation. Excellente question. Je peux peut-être lancer. En fait, Québec International et Montréal International est une organisation qui fait l'attraction des investissements. Alors, effectivement, pour la région de Montréal, Québec International fait la même chose. Ils sont aussi un organisme de promotion des exportations dans le cadre de Québec International. Alors, effectivement, Investissement Québec International jusqu'au mois de juin était essentiellement une organisation, une société d'État qui faisait du financement et qui faisait de l'attraction des investissements par le biais de sa filiale Investissement Québec International. Mais depuis le mois de juin, depuis que le nouveau gouvernement a mis en priorité l'exportation. Alors, les experts du ministère de l'Économie, Export Québec, dont je faisais partie avec mon équipe, donc ont été rapatriés chez Investissement Québec International pour créer cette nouvelle branche-là qui est la vice-présidence exportation. Alors, je ne sais pas si ça vous aide un petit peu plus à voir clair là, dans les mandats, mais Investissement Québec International a deux mandats principaux qui sont l'attraction des investissements directs étrangers et l'aide à l'exportation pour les entreprises. Merci Charles. En fait, je me permets un complément d'information parce que juste avant d'être nommée déléguée générale du Québec au Mexique, en fait, j'ai travaillé 7 ans chez Montréal International. Alors, je connais un petit peu la dynamique. Et puis, en fait,
tant Montréal International que Québec International vont travailler plus localement sur des questions, oui, d'attraction d'investissement et vont travailler aussi et continuer à travailler en partenariat avec Investissement Québec côté investissement, mais aussi Investissement Québec International côté exportation pour la partie de Québec International. Parce que Montréal International ne traite pas, n'a jamais traité d'appui aux exportations. Hein. C'était juste l'attraction d'investissement direct international, donc de IDE. Mais aussi, dans les deux cas, ils ont d'autres mandats. Alors, je pense que c'est intéressant pour les gens qui sont en ligne aussi de savoir que, par exemple, chez Montréal International, il y a aussi un mandat au niveau de l'attraction de talents. Et c'est la même chose chez Québec International aussi. Et ces deux organismes-là travaillent de concert avec, évidemment, le gouvernement du Québec, mais aussi avec des entreprises pour organiser, par exemple, des missions de recrutement à l'étranger. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est important. Et dans le cas de Montréal International, une autre petite publicité ici, mais je pense que c'est important. Moi, j'ai été pendant 7 ans vice-présidente aux organisations internationales. Donc, dans le cas de Montréal International, ils ont un troisième mandat qui est d'attirer et de retenir des organismes internationaux à Montréal, gouvernemental et non gouvernemental. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique, pas juste au Québec, au Canada, mais aussi dans le monde. Alors, je voulais aussi le mentionner. Merci. Merci. D'ailleurs, Montréal International, qui a été élue agence économique la meilleure au monde, hein, si je ne m'abuse. Là, ils sont toujours très, très bien positionnés, mais oui, effectivement, là, ils ont vraiment, ils se sont surpassés encore. Oui. Ça vaut la peine de le souligner. Je voudrais, dans les 10-12 minutes qui nous restent, aborder certains secteurs particuliers en termes d'opportunités, mais j'aurais une courte question là, pour le fan de politique que je suis et que plusieurs sont. Pour M. Huneau, peut-être sur la situation politique au Brésil en ce moment. On sait que la gestion de la pandémie par le président Bolsonaro a été critiqué, entre autres, en tout cas dans la presse internationale. Peut-être que c'est différent dans la presse locale, mais comment se passe un peu le climat politique au Brésil en ce moment? On a eu l'occasion de discuter du climat politique au Mexique avec M. Salazar la semaine dernière de la Chambre de commerce de Mexico. Alors, peut-être M. Huneau? Oui, certainement. Toujours une question pas simple à répondre. Ben effectivement, comme Charles vous l'avait dit, Bolsonaro a été critiqué autant à l'international qu'ici, notamment sur sa réponse à la gestion de la crise de la COVID, mais aussi surtout que pour le changement de cap qu'il y a eu au moment où il a fait campagne avec l'idée d'une nouvelle façon de faire la politique, de passer à quelque chose de nouveau et tout ça. Les deux premières années de son mandat bien, ont démontré que peut-être il ne s'enlignait pas comme il promettait, il avait promis de le faire. Donc, il a été critiqué beaucoup là-dessus aussi. Mais au niveau de la pandémie, oui, on en entend parler, mais tu sais, ici, les gouverneurs d'État ont été vraiment les leaders dans la gestion de la pandémie. Donc, chaque État avait son budget, avait ses mesures, avait ses... Donc, ils n'ont pas attendu que le fédéral mette les mesures en place pour aller de l'avant. Donc, je pense que, bon, vous le savez, là, le Brésil a été et est encore très touché par la crise. Là, on a dépassé les 6,7 millions de cas jusqu'à maintenant. Donc, c'est quand même important. Puis, là, on ne parle pas encore d'une deuxième vague ici, mais on voit quand même que ça commence depuis 2 semaines à remonter un petit peu le nombre de cas. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les vacances d'été commencent maintenant. Donc, les vacances d'été arrivent, les gens prennent des vacances. Donc, de quelle façon ça va être géré? Là aussi, il va y avoir un test pour le gouvernement fédéral, mais aussi pour l'ensemble des gouvernements d'État qui devront faire face à ça. Puis une chose importante aussi à noter pour les entreprises, c'est qu'ici au Brésil, il n'y a pas eu de déconfinement comme au Québec depuis le mois de mars. Il y a eu un déconfinement graduel qui a été fait, mais il n'y a pas eu de 3 mois comme au Québec où les gens pouvaient aller dans les parcs et se rencontrer, voir les familles et tout ça. Donc, c'est quand même particulier d'être ici après tous ces mois où tu es obligé de porter le masque à partir du moment où tu fermes la porte de ta maison ou de ton appartement. Donc, c'est, je ne sais pas si ça, bon, c'est quelques éléments, mais on pourrait parler longtemps de Bolsonaro, donc je vais m'en tenir à ça. On fera un webinaire à Bolsonaro. Il y a combien d'États au Brésil, j'avoue que je ne sais pas? 26 plus le district fédéral. OK, d'accord, excellent.
Je voudrais vous amener, merci pour la réponse, je voudrais vous amener sur le secteur, j'ai une question entre autres de M. El Bakali, sur le secteur minier. Donc, on sait qu'au Québec, là, on est vraiment dans une stratégie de valoriser plusieurs minerais stratégiques, entre autres, et rares. Est-ce que c'est une situation qui est similaire de votre côté? Est-ce qu'il y a des belles opportunités? Peut-être Mme Mallard en premier. Oui, merci. Merci pour la question. Mais en fait, c'est un des secteurs où, oui, effectivement, on a identifié des opportunités pour les entreprises du Québec. Mais évidemment, il y a une pandémie, il y a une crise. Alors, au niveau du secteur minier, la production minière a baissé d'à peu près presque 18 % au Mexique en 2020 là, par rapport à 2019. Donc, c'est quand même assez conséquent. Mais, ceci dit, on a vu en septembre là, un petit rebond, là, une croissance de 1,8 donc, par rapport à septembre de l'année dernière. Donc là, on voit un petit rebond, mais et je dirais que cette situation-là, en fait, la baisse significative là, dans les derniers mois dans ce secteur-là, ça s'explique surtout par une baisse de la valeur des métaux de base, hein, à peu près 10 qui n'a pas vraiment pu être compensée par la force relative des métaux précieux. Alors, ça, c'est la situation ici. On observe par contre en même temps, vous savez, le Canada est un acteur important au Mexique au niveau des investissements dans le domaine minier et on voit une accélération de l'investissement canadien là, ces derniers mois ici au Mexique dans ce secteur-là. Et ça s'explique parce qu'on attend, une hausse en fait de la demande dans métaux là, dans les prochaines années. Au total, la Chambre minière du Mexique, donc la CAMIMEX, estime que ces 130 membres, qui représentent plus de 90 % de la production minière nationale, vont investir à peu près 5 milliards de dollars US en 2020. Donc, c'est à peu près une hausse de 7 % par rapport à 2019. Donc, on voit un rebond du côté des investissements de manière générale. On estime, en ce moment, on a vu qu'il y a à peu près 23 projets d'investissement qui sont estimés à peu près un peu plus de 7 milliards de dollars US qui sont en cours de planification et d'exécution au Mexique entre maintenant et 2026. Donc, ces projets-là demeurent inchangés pour l'instant, malgré la volatilité des prix, malgré la crise de la COVID. Alors ça, je vous dis pour l'instant, parce que je mets un bémol, là, parce qu'on ne sait pas exactement comment ça va évoluer, mais je dirais qu'il y a quand même des perspectives intéressantes là, à court moyen terme. Excellent. Monsieur Henault? Oui, j'ai pas tous les détails là, comme Stéphanie sous les yeux là, concernant l'impact sur le marché minier, là, sur le secteur minier au Brésil. Mais une chose est certaine, c'est que bon, le secteur implique des géants, des grandes entreprises. Donc, c'est vraiment des grands joueurs ici au Brésil. Puis souvent, ces grands joueurs-là sont à la recherche de nouvelles solutions. Ici, particulièrement sur la modernisation des installations, cherchent des nouvelles technologies, cherchent des partenaires pour développer des technologies. Donc, c'est ce qu'on constate actuellement là, sur le territoire du Brésil. Mais si vous voulez plus de détails sur l'impact de la COVID sur les projets là, en cours, je peux envoyer l'information. Ce n'est pas un souci. Excellent, merci. Je voudrais vous entendre, Madame Allard, sur le secteur automobile mexicain. On sait que c'est quand même passablement ou beaucoup intégré avec les États-Unis et le Canada. Vous avez fait allusion à l'aluminium tout à l'heure. Alors, comment se porte le secteur automobile au Mexique? Merci aussi pour la question. Et ça, c'est vraiment un secteur où il y a toujours eu des opportunités d'affaires pour les entreprises du Québec. On a un certain nombre d'entreprises qui sont présentes là, du Québec au Mexique, surtout dans la région du Bajío, donc les États là, qui se trouvent au nord de la ville de Mexico. Mais encore une fois, ici, la crise, la pandémie a eu un impact important sur le secteur. Écoutez, il y a eu une baisse d'à peu près 25 % en termes du nombre de véhicules automobiles produits pour les 10 premiers mois de 2020 par rapport aux 10 premiers mois de 2019. Donc ça, c'est très important. Puis c'est la baisse la plus importante depuis plus de 10 ans. Okay? Donc ça, c'est significatif.
Par contre, encore une fois, ce qu'on appelle en anglais un « silver lining », donc la lumière à l'horizon, c'est qu'il y a eu une croissance quand même très importante dans ce secteur-là de production de voitures au Mexique de plus de 8 % en octobre cette année par rapport à octobre l'année dernière. Donc là, on a vu un rebond important. Et donc, je vous dirais que, et ça, c'est une croissance importante par rapport à septembre de cette année. Donc, on voit qu'il y a un rebond. Donc, il y a une reprise du secteur automobile après il y a une fermeture là, presque complète là, au printemps dernier. Il y a eu plusieurs foyers d'éclosion dans les usines. Donc, il y a des mesures sanitaires qui ont dû être mises en place. Ça a pris un certain temps, mais je pense qu'on peut vraiment dire maintenant que oui, il y a eu une reprise depuis les deux derniers mois. Les fabricants, donc il y a plusieurs fabricants, sont presque tous présents, les grands, les OEM, les grands fabricants automobiles sont présents au Mexique. En termes des hausses de production, là, ce dernier mois-là, General Motors, une croissance de 45 % Mercedes-Benz, 41 % BMW, 24 % Donc, c'est quand même très, très, très conséquent. Et cette croissance-là, en fait, ça s'explique surtout par une augmentation de la demande sur le marché américain, enfin, américain des États-Unis, OK? C'est presque 300 000 véhicules là, qui ont été exportés en octobre 2020 du Mexique vers les États-Unis. Et ça, c'est aussi une hausse d'à peu près 8 % par rapport au mois d'octobre 2019. Donc, même au niveau des... Alors, on voit hausse de production par rapport à l'année dernière pour ce même mois et hausse des exportations également. Donc, ça, c'est ce que je pourrais vous dire. Mais c'est un domaine là, dans lequel, en raison, puis j'ai mentionné dans ma présentation, je pense que c'est important, ce domaine-là, les pièces automobiles, ce qu'on appelle les Tier 3, Tier 2, je m'excuse pour l'anglais, mais c'est le vocabulaire qu'on utilise le plus souvent pour ce secteur-là. Au niveau québécois, il y a des grandes opportunités dans les mois, les années à venir en raison de l'ACEM parce que le contenu nord-américain exigé, OK, pour la production de véhicules en Amérique du Nord, va augmenter progressivement au cours des prochaines années. Et ça représente en fait des milliards de dollars. Donc, il y a une opportunité maintenant de se positionner sur le marché auprès des grands producteurs automobiles qui sont établis ici parce que le contenu nord-américain, il va y avoir une demande pour du contenu nord-américain. Merci. Réponse très complète. Il faudra voir ce qui arrive aux ventes d'automobiles aussi hein, dans le contexte de la pandémie. Est-ce que c'est bien beau les produire, mais comment vont se porter les ventes? Écoutez, c'est phénoménal l'augmentation des exportations aux États-Unis de véhicules. Alors, des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer tout de suite, là, mais ça, c'est une belle opportunité pour nous. Avant de céder la parole à Claude Gagnon pour le mot de la fin, j'ai une courte question, pas facile pour M. Henault. Si vous aviez, une réponse rapide, si vous aviez quelques réals à miser sur la conclusion de l'entente entre le Canada et le Mercosur, donc qui représente, comme vous l'avez dit, 260 millions, je pense, de consommateurs, combien miseriez-vous sur la conclusion de cette entente-là et dans quel horizon peut-être? Oh, bonne question. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, les discussions se poursuivent pour les négociations entre le Canada et les pays du Mercosur. Évidemment, le processus a été ralenti par... il y a eu des élections dans la région, il y a eu la pandémie, donc ça a été ralenti. Mais les pays, et tout récemment même, là, on lisait des trucs là, qui disaient que des articles de journaux et tout ça, qui disaient que les pays impliqués ont exprimé clairement leur intention de régler ça rapidement. Donc, on suit le dossier de très, très près. Et pour répondre à votre question, combien je miserais, là, ça dépend si je mise en reais ou en dollars canadiens, là, mais ça devrait... Et du taux devrait... Exact. Mais on a vu comment le gouvernement canadien a été quand même assez rapide dans la conclusion de l'entente avec le Royaume-Uni. Donc, quand where there's a will, there's a way, comme on dit en anglais. Effectivement. Alors, écoutez, merci à nos trois invités. Ça a été un réel plaisir. Et si j'ai bien compris les commentaires de nos participants, vous allez recevoir des téléphones ou des courriels. Alors, si ça peut se conclure en des nouvelles aventures économiques pour les Québécois, bien, ce sera mission accomplie aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à vous trois. Avant de céder la parole à Claude, je vous invite à notre prochain événement. On est déjà dans 2021, donc le 19 janvier prochain, on aura un événement dans notre série Grand Exportateur Corex pour parler justement d'expériences d'entrepreneurs qui ont réussi leur passage en mode exportation. Et ça sera présenté donc dans le cadre d'une collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins, donc dans la région de Lanaudière. Et il y aura M. Peter Hall, économiste en chef d'Exportation et Développement Canada, qui sera là. Et le tout, la discussion avec les entrepreneurs sera animée par René Vézina, chroniqueur économique à Radio-Canada.
Alors, je cède le mot, je cède la parole à Claude Gagnon, donc président du groupe financier BMO Québec, pour le mot de la fin et je vous remercie de votre présence. Claude. Merci beaucoup, Charles. Vous m'entendez? Oui. Bon, parfait, parce qu'au début, j'ai été déconnecté, donc j'ai eu la difficulté à me reconnecter. Alors, dans un premier temps, je veux remercier nos intervenants, nos invités, donc Mme Lapointe, Mme Alard Gomez, Stéphanie, si tu me permets, et Jason No pour, je dirais, le partage d'informations, l'écoute que vous avez à l'égard des entrepreneurs québécois et le fait de faciliter finalement tous ces échanges, c'est quelque chose qui est important pour le Québec, important pour nous tous, et vous faites un excellent travail. Et je m'en voudrais aussi de ne pas mentionner que BMO est quand même un partenaire financier important au sud des frontières, dans un premier temps, quand on regarde du côté américain avec notre filiale qui est Harris Bank, mais on connaît très bien le Mexique pour avoir été des partenaires financiers de Bancomer pendant plusieurs années. Donc, s'il y avait quoi que ce soit qu'on pouvait faire chez BMO pour vous accompagner dans vos démarches à l'étranger, que ce soit autant au Mexique qu'ailleurs, ça nous ferait un grand plaisir de le faire. En terminant, j'en profite pour vous offrir à tous, autant nos conférenciers de ce midi, l'équipe de la FCCQ qui fait un excellent travail et tous les gens que nous avons d'un peu partout au Québec qui suivent nos rencontres virtuelles. Vous souhaitez une superbe période des fêtes, de la prudence naturellement. On sait très bien que COVID, donc le plan sanitaire, demeure toujours une préoccupation. Mais je pense qu'avec les technologies qu'on a aujourd'hui, on peut réussir à rejoindre les nôtres et quand même passer du bon moment ensemble. Sur ce, bonne fin de l'année à tous et merci Charles, je te retourne la parole. Merci Claude, très bien dit. Alors, je comprends que pour se lancer, on appelle l'Investissement Québec international, mais on peut aussi passer un coup de fil à BMO, là, si j'ai bien compris. Alors, sur ces belles paroles, je vous souhaite une joyeuse fête à moi aussi, puis je remercie encore à nos trois invités. Au plaisir, au revoir. Bye bye. Joyeuse fête, merci. Joyeuse fête, au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.